Près de Saumur, sur les bords de la Loire, découvrons un chantier original. La pose d'une canalisation pour l'irrigation des cultures maraîchères et arboricoles de la vallée de l'Authion. Ce chantier a été réalisé pour pouvoir sécuriser l'alimentation en eau, l'irrigation l'été, dans une zone actuellement où les gens ne peuvent prélever qu'à partir de forages. L'intérêt de ce projet, c'est de générer une culture de l'eau, c'est-à-dire que plutôt que d'une consommation non contrôlée, ce projet va générer une dynamique de la gestion de l'eau et créer une dynamique au niveau de l'ensemble de la vallée. Des travaux réalisés par le Centre de travaux de Nantes et le STS. La SAD a en charge la pose d'une canalisation d'environ 3 km de diamètre 1200 en PRV, qui est une variante technique et économique. La solution de base qui avait été proposée par le client était une solution fonte. Cette canalisation donc, qui va relier la Loire à l'Authion, est en PRV, polyester renforcé de verre. Une solution technique déterminante dans le choix de la SAD. Donc la SAD a été retenue donc, de par ses références, nombreuses en canalisation, et de par également le produit proposé, donc le PRV, qui est un produit qui collait bien avec le projet. C'est un tuyau imputrescible. C'est un matériau qui a techniquement de très bonnes capacités hydraulique, une très faible rugosité et de bonne résistance mécanique également pour des terrains assez mouvants. La facilité de pose du tuyau dépend principalement du terrain rencontré. Ici, la difficulté est double. L'eau est toute proche et le terrain sablonneux, comme nous l'explique Jean-Pierre Robert. On décaisse une moitié de notre terrassement, on pose notre blindage et on creuse à l'intérieur et on descend notre blindage en même temps. Parce que comme c'est du sable, si on ne fait pas ça, on va ouvrir un trou très grand. Il faut qu'on fasse assez vite parce que sinon on est obligé de refaire le lit après de pose parce que le sable remonte trop. Là vous voyez, il est en train de ressortir le blindage. Et on voit que la difficulté, c'est que la terre serre le blindage et c'est beaucoup plus difficile à le sortir. Le nombre de tuyaux posés par jour dépend évidemment de la nature du terrain. De 18 éléments en terrain sec, la cadence peut descendre à 6 ou 7 lorsque la nappe phréatique est au plus haut. Malgré des conditions difficiles, le chantier avance normalement et le raccordement se fera dans les délais prévus. Moi, je savais qu'en ayant Jean-Pierre sur le chantier, on n'aurait pas de problème. Et pour nous, c'était un chantier rondement mené. La SAD a fait preuve d'une grande maîtrise sur ce chantier. Ce sont des professionnels de la pose des canalisations. Je n'ai pas une grande expérience de la SAD, mais bon, le peu de chantier que j'ai eu, voilà, ça s'est bien passé. C'est un chantier qui, par sa grandeur, la grandeur de ses canalisations, la nature de ses canalisations, et le démarque quand même de ce que l'on pose couramment. Grâce au bon rapport et au bon esprit des entreprises, et notamment de la SAD, on a pu arriver à ce résultat. C'est une belle référence pour l'entreprise.